Bienvenue dans ces idées qui gouvernent le monde. Nous allons vous parler de la retraite. La retraite, à quel âge Réformer les retraites est un vieux serpent de mer de la politique nationale. Pour s'en tenir aux 30 dernières années, il y eut la réforme Balladur en 1993, la réforme Fillon en 2004, la réforme Wörth en 2010, la réforme Touraine sous la présidence de François Hollande et la réforme avortée de janvier 2020. Sous la présidence d'Emmanuel Macron. Rebelote en 2022 avec un nouveau projet de réforme des retraites, moins ambitieux, comme on le verra, mais en but au même tabou. Le fameux âge de départ à 65 ans. Le monde syndical est vent debout contre cette mesure et y prépare, je le cite, une opposition frontale, avec le concours des forces politiques d'opposition. Alors que le Président de la République souhaitait réformer les retraites sans tarder, de sa propre majorité se sont élevées des voix contre un passage en force et nous revoilà dans le temps de la concertation avant qu'un projet de loi soit discuté au Parlement en 2023. Pour quelle réforme, quel compromis et bien sûr quel âge de départ C'est ce que nous allons voir avec nos invités. Jean-Claude Mailly, vous êtes ancien secrétaire général de Force Ouvrière. Michel Yayel, directeur des politiques sociales à la Caisse des Dépôts. Jean-François Copé, vous êtes ancien ministre et avocat. Et Jean de Kervasdoué, économiste de la santé à l'Académie des technologies. Alors, en 2020, il était question d'une réforme systémique unifiant les régimes de base et les régimes complémentaires. Il n'est plus question désormais de ce qu'on appelle des mesures paramétriques. Pourquoi il serait utopique d'avoir un régime universel des régimes de base à la place des 42 régimes de base, comme c'était le, le cas avec la sécurité et c'est toujours le cas avec la sécurité sociale de 1900? 45. Michel. Yair. Le général de Gaulle a quitté ses fonctions en janvier 46. Et quelques semaines après, intervenait le premier texte qui créait les régimes spéciaux de retraite. C'est dire l'élasticité du système. Euh, la première chose qui est trouvée à faire les grands réformateurs euh, de l'époque, euh, je rappelle que la sécurité sociale a été créée par une ordonnance d'octobre 1945. Ça a été malgré tout de conserver la spécificité des régimes qui, qui euh, existaient alors, ce qui veut dire qu'ils sont ancrés dans le paysage. Et d'un autre côté, et ce que je dis n'est pas euh, un assaut d'amabilité envers les régimes spéciaux, c'est simplement euh, la réalité. Quand vous avez 42 régimes, dont 4 dont parlementaires, euh, et que vous leur proposez de se transformer en un, disons que la probabilité que ça se passe bien n'est pas spontané. voilà. donc, euh, probablement que la marche était un peu haute entre le système que nous gérons aujourd'hui dans sa complexité euh, un peu dramatique et puis euh, un système idéal unique, égal ou égalitaire, en tout cas pour tous les français et universel dans sa, dans sa conception. Euh, il fallait peut-être euh, des étapes et ne pas les avoir euh, respectées a pu, euh, même si le problème était plutôt politique qu'autre chose, aboutir à ce résultat. Voilà, c'est. Vous adhérez à ce parallèle, Jean-François Copé Pourquoi oui. ce qui est vrai avec la sécurité sociale ne le serait pas avec les retraites parce que Au ça, moins pour les régimes de parce base. Que, parce que ça s'appelle le pragmatisme. Euh, vous avez bien fait de rappeler l'historique 1946. On ne doit pas oublier que c'était un, une cogestion de la France entre les gaullistes et les communistes. Il fallait euh, faire un grand pacte de réconciliation et à l'époque tenir compte de la puissance du Parti communiste, notamment euh, à la SNCF. Et c'est ce qui explique que. ou à EDF, qui a eu tous ces régimes spécifiques pour en tenir compte. Et puis c'est vrai que c'était une toute autre époque, pour mille raisons. Euh, moi je pense qu'aujourd'hui la situation est tellement préoccupante qu'on ne peut pas arriver avec des réponses complexes. On ne peut pas ouvrir tous les fronts à la fois. Et de ce point de vue, on est tous arrivés, en tout cas quand on est responsable de gouvernement ou qu'on l'a été, à cette idée que face à un problème qui lève toutes les oppositions les plus bruyantes, il n'y a d'autre solution que de proposer la formule la plus simple. Et il est apparu que la formule la plus simple et sans doute la plus efficace d'ailleurs, c'était l'âge légal. Et c'est pour ça qu'après avoir tout essayé, on en arrive aujourd'hui à l'essentiel. Il faut bouger l'âge légal comme ça se fait dans tous les pays d'Europe. Bah alors, s'il si faut bouger l'âge légal, Jean-Claude Mailly, Aujourd'hui, l'âge moyen est 63,3 ans. Il y a des fluctuations naturellement. Mais de 63,3 à 65 ans, pourquoi ça fait figure d'épouvantail alors que c'est largement en usage dans, tout le... dans de nombreux pays européens et dans de, no... dans de nombreuses démocraties Juste un mot, c'est différent entre la santé et la retraite parce que la santé, au fil du temps, la couverture santé est devenue quelque chose d'universel, hein, que vous soyez salarié ou non salarié. Que la retraite, ça demeure quelque chose qu'on appelle un système contributif, c'est-à-dire vous payez des cotisations euh, qui rentrent dans le cadre de la répartition de la solidarité, en même temps vous acquérez des droits. Donc il y a une différence entre les deux. Alors ensuite, euh, c'est vrai que si on hypothèse, on ne change rien au système actuel. Hein. Je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire, mais si on ne change rien. Compte tenu des règles actuelles, quelqu'un qui est né en 1973, qui commence à cotiser à l'âge de 21 ans, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, partira à taux plein à 64 ans. Donc on peut se dire euh, quel est le problème euh, en même temps de l'âge, sauf qu'il faut comprendre que la France, à la différence d'autres pays, a moins joué sur l'âge. En fait, c'est passé de 60 à 62. On n'a plus joué sur la durée de cotisation, mmh. hein, historiquement. Euh, donc, et d'ailleurs, enfin, ces, ces jours-ci, le président de la République a lui-même dit ah, mais si ce n'est pas 65, ça peut être 64, à condition qu'on allonge la durée de cotisation. Mais euh, en même temps, c'est un faux débat. En fait, le, le problème qu'il se pose aujourd'hui, euh, c'est essentiellement un problème budgétaire. À partir du moment où la France. Euh, doit respecter euh, ses engagements européens, donc ça veut dire 3% de déficit budgétaire à l'horizon de 2027, qu'on a une série d'interventions budgétaires, euh, il faut faire des économies. Or, les économies, on veut les faire où On veut les faire avec la retraite, moins qu'on ne pense d'ailleurs, parce que ce qu'on économise en reculant l'âge, on, on a des dépenses supplémentaires sur la santé, etc., ou sur le chômage, sur l'assurance chômage. Sur les collectivités territoriales et sur l'État. Donc, on est plus sur une réflexion aujourd'hui, selon moi, qui est de caractère budgétaire que fondamentalement une réflexion sur la retraite. Et euh, d'une certaine manière, position personnelle, hein, mais considère que dans tous les cas de figure, quelle que soit la méthode choisie, mais on sait bien que Victor Hugo expliquait que la méthode, c'est le fond qui remonte à la surface. Quelle que soit la méthode choisie aujourd'hui, c'est un piège pour un gouvernement. Oui, mais alors. Euh... Jean de Kervas, je m'adresse à l'économiste de la santé que vous êtes, mais vous avez été aussi directeur des hôpitaux à la ville de Paris. Vous pensez que cette réforme des retraites n'a qu'un versant économique Non, pas du tout. Je pense que je, pense que je serais d... en désaccord. C'est que euh, la question centrale, à mon avis, n'est pas du tout celle-là. La question centrale, c'est comment ne pénalise-t-on pas trop les actifs Compte tenu de la démographie. Alors, et, et, il faut rappeler, euh, en deux mots, qu'il s'est produit un accident démographique, euh, qui est la génération du baby boom. Que la génération du baby boom, elle commence en 47, elle s'arrête en 73, et qu'en politique sociale, il y a trois âges importants. Il y a euh, l'âge de la retraite sur lequel je vais revenir. Il y a 70 ans qui est l'âge moyen à l'hôpital, parce qu'on oublie que euh, la santé c'est une affaire de vieux. Euh, et que donc le système de financement des actifs <coughs> pour la retraite, c'est aussi le système de financement des actifs pour la santé et, et pour les, les actifs finance aussi les plus jeunes. Ça c'est par, par le biais des impôts. Donc la question est de savoir jusqu'où peut-on charger euh, les épaules des jeunes des jeunes actifs. Bon, alors sachant que par ailleurs, en 60, 1960, l'espérance de vie était de 62 ans que euh, l'âge de la retraite était de 65 ans et que le rapport d'actifs sur les retraités, c'était de 4. Bon. Aujourd'hui, euh, l'âge euh, de la retraite est celle qu'on en a dite. Euh, L'espérance de vie est de 82 ans et le rapport d'actifs sur les retraités est de 1,7. Donc, on est complètement fou quand on, quand on se pense que c'est une. Pardon, je dire ça de manière aussi brutale, mais il est très étonnant pour moi que de dire que c'est uniquement une question d'argent. c'est pas vrai. C'est-à-dire que c'est une question de solidarité, euh, sachant que, et je vais m'arrêter là, qu'à euh, l'âge de 25 ans, la moitié des Français ne travaillent pas encore, et à l'âge de 60 ans, la moitié des Français ne travaillent plus. Donc on a un énorme système de redistribution, euh, et ça se voit quand on voit la transformation des permis des âges. On a un énorme système de redistribution des actifs sur les retraités, sur les inactifs. Donc on ne peut pas garder, pour des raisons, encore une fois, parce que euh, on se passionne, nous, en France, euh, sur euh, le partage de la richesse. En revanche, à mon avis, le problème central aujourd'hui, c'est la production de la richesse. Oui, mais alors, <laughs> oui. Donc, Le problème oui, mais... central, c'est euh, l'emploi. Euh, là, j'ai fait récemment, parce que je, je tiens une chronique dans le journal Le Point euh, sur euh, le drame de l'agriculture française. On va rentrer... Jean-Denis gervais je voudrais éclaircir un point. Vous venez de citer quelque chose qui remet en cause le propos de Jean-Claude Mailly. Mmh. Et là, je mmh. voudrais savoir, Jean-Claude Mailly, est-ce que le syndicaliste que vous êtes, ignore ce que vient de dire maintenant jean de kervas doué c'est que les pyramides des âges, de la vie, du travail, etc., sont, j'allais dire une démonstration, qu'il faut bouger. Cette, ce départ, l'âge de départ. je ne peux pas rentrer dans ce qu'il faudrait faire. je conteste pas les choses. <laughs> ce que je dis simplement, c'est que pour respecter son programme, jusqu'en 2027 qu'il doit transmettre à bruxelles il y a 75 milliards d'économies à faire or quand on regarde ce que prévoit le gouvernement dans les 75 milliards il y a les retraites l'assurance chômage les collectivités territoriales oui. voilà donc ça c'est le problème immédiat oui, on ça... peut discuter oh, nous a entendu, entendu. Ah, les oui, c'est un des aspects du problème. problème. Non, mais je suis d'accord, c'est un des aspects du problème. Maintenant, vous savez, moi je mais dis... par rapport, mais, non, mais, mais Jean Claude, -Claude souvent... Mailly, par rapport à la pyramide des âges, mais, mais moi, il y a mais... ce problème. Je, je, je ne nie pas ça. On peut regarder les choses. Mais moi, je rappelle souvent, et je rappelais souvent quand j'étais en responsabilité syndicale. Moi, ce que je considère comme le meilleur discours sur la protection sociale, je ne connais pas tous, mais c'est celui de Daniel Meyer en 1949 à l'Assemblée nationale. À l'époque, quand on a créé la sécurité sociale après les ordonnances de 1945, beaucoup, y compris à l'Assemblée nationale, criaient à la faillite du système, à la faillite de l'économie, qu'on n'allait jamais pouvoir faire. Or, on a fait les choses. Bon, alors après, qu'il faille bouger des curseurs, qu'il faille. Vous, vous le disiez tout à l'heure, l'âge moyen de liquidation aujourd'hui, il est de 63,3 ans. Bon, et 64 pour les futures générations. Donc en même temps, l'âge, c'est un faux problème. Bon. Ah, donc, que... vous oui. dites que l'âge est un faux problème. Ben oui, parce que dans les faits, on est déjà à 64 ans. On va être à 64 ans. Alors donc pourquoi si... 65, c'est le tabou non, mais parce que. Mais... Attendez, pourquoi le président de la République, il a annoncé 65 pendant la campagne présidentielle Oui, mais, mais la maintenant. C'est une question politique. Là, il l'annonce dans, dans quelques années. Est plus... oui, non, mais d'accord, mais il a fait ça à l'époque, selon moi, pour des raisons politiciennes, pour pouvoir jouer dans le, le résultat d'une élection présidentielle. On est sur autre chose, on n'est pas dans la logique d'un système de retraite, on est dans une logique politicienne. Donc, mettons ça de côté, il a pris un engagement. Mais en même temps, il faut être pragmatique. Euh, Aujourd'hui, vous avez une situation où. Toutes les organisations syndicales, sans exception, refusent. Mais quand je dis que c'est le piège, ce dossier, imaginez, ce qui n'a pas été le cas, qu'il aurait décidé de passer tout de suite au PLFSS, hein, ce qui était envisageable à un moment donné. On va en parler. De... Ouais, il, serait, il serait arrivé dans quel contexte avec, le, avec les grèves dans les raffineries, ça risquait de faire l'étincelle. Là, on a trois mois de consultation. Concertation, consultation, etc. Début d'année, ils vont annoncer ce qu'ils veulent faire. Début d'année, il y aura l'augmentation du gaz, l'augmentation de l'électricité, il y aura d'autres problèmes. Voilà. C'est le dossier infernal. Mais parce que je moi, on en reviendra, mais je considère qu'on le prend par le mauvais bout. Oui, Jean-François Copé, vous voulez intervenir Écoutez, moi ce qui, ce qui est vrai, c'est qu'en en, en entendant cet échange euh, avec Jean-Claude Mailly et M. De Carvesdoué, ça m'a rajeuni en fait. Parce que je, ce, nous avons exactement eu les mêmes discussions en 2003. J'étais à l'époque euh, au gouvernement. Nous avons eu les mêmes discussions en 2010. C'était à l'époque à la tête de la majorité à l'Assemblée. Et à chaque fois, on est arrivé au même blocage. Euh, et puis il bah, y a des gouvernements qui tiennent et des gouvernements qui tiennent pas, le tout après euh, le rituel du cauchemar pendant des mois et des mois de blocage de grève, etc. Il y a donc évidemment un problème de méthode, mais moi, je n'arrive oui. pas à la même conclusion que Jean-Claude Mailly. Moi, je vais vous dire une chose. En fait, je pense que chacun est dans son rôle et que les intérêts ne sont pas alignés sur ce sujet. Je pense qu'ils sont alignés entre les syndicats, le patronat et le gouvernement pour discuter réforme du chômage, réforme de la santé. Il y a de quoi trouver des points de convergence. Sur les retraites, il n'y en aura jamais. Je crois qu'il faut arrêter de se mentir. Il n'y en aura jamais. Pour une raison très simple, c'est que pour toute une série de raisons, les partenaires sociaux ne vont jamais se mettre d'accord. La seule mesure, il faut arrêter de tourner autour du pot, et vous avez bien fait de rappeler les chiffres, on les, on les a bien en tête, arrêtons de tourner autour du pot. La seule solution, c'est qu'à partir du moment où on vit plus longtemps, où on rentre plus tard sur le marché du travail, oui, il bah... faut allonger l'âge légal. Juste attendez, pour terminer là-dessus. Le fond va avec la méthode, en fait. Si on veut y arriver, ben c'est la noblesse du politique que de dire, écoutez, j'ai été élu au suffrage universel. Je vais donc prendre la décision. Et je ne peux pas la prendre après des concertations qui ont déjà eu lieu mille fois, et dont la plus grande des concertations, c'est la campagne présidentielle, où les Français savaient qu'en réalisant Emmanuel Macron, cette réforme serait, serait sur la table. Le seul fait de dire on va encore rediscuter va évidemment n'aboutir à oui, mais aucun euh, consensus. Jean-François Copé, je voudrais que vous précisiez quelque chose. Je demanderai l'avis des autres intervenants. Vous avez laissé sous-entendre. Que sur les retraites, il était impossible de se mettre d'accord. Pierre Mendès-France disait que quand on prenait l'histoire des impôts en France, c'était l'histoire de la France. Est-ce que vous diriez que c'est pareil pour les retraites, c'est-à-dire que c'est plein de lobbies qui ont agi à différents moments et en favorisant différents régimes, et que c'est la raison pour laquelle on ne peut pas bouger Pierre Mendès-France disait aussi gouverner, c'est choisir. Je vais vous dire une chose. Tout ce que vous dites est vrai. Le poids de l'histoire, moi j'ai rebondi sur ce que vous disiez, est très lourd dans l'affaire des retraites, comme d'ailleurs de tout notre modèle social. Sauf qu'il y a un moment où la grandeur du politique, c'est de dire maintenant j'ai entendu tout le monde. Je sais qu'il n'y aura pas d'accord, ma responsabilité politique, c'est d'assumer une décision, mais il ne faut pas la prendre euh, sans la prendre, en faisant semblant, en faisant des vraies fausses concertations, alors qu'on sait que cette seule mesure d'âge va permettre de, de tenir le choc euh, de, de cette situation. Donc, au lieu de partir sur des lois qui n'en finiront jamais, des discussions qui ne se feront pas, la seule solution était de le faire dès l'élection, en réalité, et pas par un amendement par une ordonnance et le dire aux français et à ce moment là il appartenait aux partenaires sociaux dès l'automne et la loi ayant été adoptée par ordonnance de faire ce travail d'évaluation et de, et, et de s'atteler à d'autres sujets difficiles que celui des retraites qui est inéluctable car on arrive à cette situation folle où avec des défenses comme celles auxquelles nous assistons nous ne rendons pas service aux français parce que nous les mettons dans une situation où les jeunes générations vont payer pour les générations actuelles, que deuxièmement, ça va se faire par des déficits. Et Jean-Claude May, pardon, mais moi j'ai une vraie divergence avec vous. On fait pas ça pour Bruxelles. On fait ça parce que c'est jamais bon un déficit, parce qu'il y a un moment où quand on en a trop. C'est pas la question de savoir si on obéit à Bruxelles, c'est comment est-ce qu'on fait pour le faire payer par parce les générations que, pas suivantes. C'est ce que j'ai dit, Jean-François Copé. Bah, je n'ai euh, pas dit si. obéir à Bruxelles, c'est que la France a pris des engagements. On de les régl... a pris parce que c'est le bon sens. Je... Bruxelles n'est pas fait pour embêter les États membres. Bruxelles rappelle bah, bah, simplement des glissières d'autoroute. Ce pas Bruxelles, les gouvernements successifs ont accepté euh, bah, les traités. Moi, je suis européen, je n'ai pas de problème. Bah, voilà. bah, non, Donc, mais ce n'est pas la question. Mais, mais traité... reconnaissez que. N'importe quel gouvernement français, aujourd'hui, compte tenu de ses engagements, est obligé de présenter un programme qui, au bout de 5 ans, arrive à 3%. Sauf On est d'accord. que ce programme. Même s'il n'est pas respecté. Eh oui, mais sauf que ce programme. J'ai fait l'exercice quand j'étais ministre du Budget. Sauf que ce programme a été conçu pour rappeler que c'est jamais bon d'accumuler les dettes et les déficits. Mais je suis d'accord. Je je juste, juste un mot, parce qu'on a beaucoup de questions, si vous voulez, et je voudrais quand même avoir votre avis, Michel Yael et Jean de Kervas-Loué, sur ce point précis. Faut-il, oui ou non, une réforme des retraites Jean-François Copé dit... C'est indispensable, c'est le choix du politique. Jean-Claude Mailly ne dit pas ça. Euh, vous ça vous dites est-ce que vous pensez qu'il faut une réforme Oui, moi je suis convaincu que oui. Simplement, il faut ne pas mélanger les objectifs oui. et je vais faire œuvre de réconciliation. Vous dites des choses qui sont finalement assez combinables. Jean nous dit. Il y a évidemment un gros problème démographique, comme dans tous les systèmes de répartition, puisque nous payons aujourd'hui les retraites des retraités d'aujourd'hui. Il y a donc moins d'actifs, plus de retraités qui perçoivent plus longtemps des retraites plus élevées. Un gamin de CM2 comprendrait qu'il y a un problème démographique. Ce problème démographique, il a une traduction économique. Voilà. Et c'est lui qui fait qu'on consacre 14 points de PIB à La retraite et 10 à la santé, on va en discuter. Euh, mais si je peux juste terminer ma réponse, je dirais qu'il en faut une de réforme euh, pour des raisons d'abord macroéconomiques, parce que 14 points de PIB, c'est un problème macroéconomique, pas un problème financier euh, de base et pas simplement lié au contexte dans lequel la France se débat comme d'autres. Mais et je vais faire plaisir à mon voisin de gauche. Euh, si on prend un peu d'altitude par rapport aux grandes réformes sociales, il me semble que la réforme de la santé si on oublie euh, l'impératif économique, euh, est probablement plus prégnante aujourd'hui. Et où, là où je vous suis euh, volontiers, monsieur le ministre, c'est que euh, si on avait un peu de temps à y consacrer, ça serait pas mal. Voilà. Oui, alors, Jean, oui, alors Jean de Claire va se Réforme nécessaire ou pas et vous... Oui, oui, oh, bah, c'est une question ar arithmétique. J'ai une question à Jean-Claude Mailly, qui n'est pas du tout une question piège, vraiment une vraie question. Je ne comprends pas comment les syndicats s'intéressent plus aux inactifs qu'aux actifs. C'est-à-dire que en fait, ce poids, il est payé par les actifs, les gens que vous représentez. On voit bien que ça a énormément de conséquences et que l'année 2022, surtout l'année 2023, 1% de croissance, moi, je n'y crois pas beaucoup, ça sera plutôt zéro ou moins quelque chose. Euh, donc, euh, je ne comprends pas pourquoi vous défendez autant... Euh, les éventuels actifs futurs et euh, assez Inactive peu et, et, les éventuels inactifs futurs mmh. assez peu les actifs je ne comprends pas non attendez on défend on défend les deux regarde enfin il faut, faut, faut voir comment comment fonctionne le système de retraite aujourd'hui ah ben on Donc... connaît bien mais non, non, mais, ouais, oui, non mais oui mais d'accord mais rappeler quand même qu'il y a un ré... au moins pour les salariés du privé il y a un régime de base il y a des régimes de complémentaires, complémentaires qui aussi. sont gérés et je considère que ce qu'on appelle le paritarisme dans notre pays, syndicat patronat, et je considère que la gestion paritaire n'a pas démérité. Elle existe depuis 1947-48 pour, pour les premiers systèmes. c'est si discutable pas... Comment On parle des, parle des retraites, Ces C'est le dernier régime paritaire qui reste Nous dans notre pays. Et je considère même que. Moi, je ne considère pas que l'État est par définition le meilleur gestionnaire. Non, non plus. Par définition. Moi. Et je considère même qu'au fil du temps, quels que soient les gouvernements, L'État perd du pouvoir. Il a perdu du pouvoir monétaire, il a perdu en partie du pouvoir budgétaire, et on voit bien qu'il y a une tentation forte de prendre la main sur toute la sphère sociale. On le voit avec l'assurance chômage, on le voit. Bon, alors, il y a cette dimension derrière, mais ça ne concerne pas que les salariés. Discutez avec les... Moi, je discute aujourd'hui avec les régimes de non-salariés, que ce soit les avocats, les experts comptables, les, les médecins, etc. Euh, tous disent, attendez, mais on gère notre système, et ça marche, pourquoi voulez-vous... Prendre la main sur tout ça. Donc, moi, je considère que les syndicats, d'une manière générale, ne, 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 ne concernent pas que les actifs. Je considère même que c'est à la fois les actifs et les retraités. Ils viennent de décider. Moi, je n'ai plus de responsabilité syndicale aucune aujourd'hui, mais ils viennent de décider d'une revalorisation des retraites complémentaires du privé au 1er novembre de 5 et quelques pourcents, Voilà. Ils font leur boulot. Hein, mais on ne peut pas dire que les syndicats ne s'occupent que des actifs. Merci. Non, mais... on, va, on va en parler. Pardonnez-moi, pardonnez on va en parler. Monsieur Copé, si je ne me trompe pas, vous avez été ministre du Budget. Alors je voudrais vous poser une question que les gens sages ne... se posent. Vous pas le prix du pain au chocolat Non, <laughs> non, je le ferai ça pas. Mais ça dépend de la boulangerie, Mais ça, dépend, ouais, la ça, boulangerie, ouais, ça ouais. dépend du territoire. D'après le Conseil d'orientation des retraites, organisme indépendant et incontesté. Les comptes sont au vert pour 2021 et 2022, avec un euh, milliard de bénéfices, enfin bénéfices, disons, d'excédent financiers, et 3 milliards en 2022. Par contre, on dit que ça va se détériorer en 2023-2032. Comment vous expliquez ce yo-yo financier Est-ce que. Qui sait que ça va se détériorer de cette manière-là euh, Est-ce qu'on peut pas avoir ah ben Là, quelque... honnêtement, c'est mécanique. Hein. Euh, il se trouve que là, nous avons eu deux entre guillemets bonnes années du fait de la reprise de l'activité post-Covid. C'est uniquement pour ça. Il ne faut pas se raconter d'histoire. Le déficit euh, sur cette branche-là, il est de toute façon structurel et il ne va jamais aller euh, en s'améliorant. Et d'ailleurs, quand Jean-Claude Mailly dit euh, euh, l'État a perdu de son pouvoir budgétaire, pourquoi il a perdu son pouvoir budgétaire Parce qu'il a tellement les s'est filer les dépenses, qu'il n'a plus d'autre maîtrise de quoi que ce soit, il est obligé de passer son temps à chercher comment les combler. C'est la différence avec l'Allemagne, qui elle a toujours veillé à avoir de l'équilibre budgétaire et qui, quand il y a un gros coup de, de, de tonnerre, eh ben, il capable très vite de réinvestir et on en, on en a la démonstration aujourd'hui. Ensuite, pour, pour le reste, le, le sujet de fond, c'est que... Le, le rapport du Conseil d'orientation des retraites, ils sont constants depuis des années. Et tous disent la même chose. Attention, cela va se dégrader structurellement. Il peut y avoir des bonnes années, mais globalement, ça va se dégrader. C'est. Inéluctable. C'est un appel aux décideurs politiques. C'est pour ça que j'en je, reviens là. Tout à l'heure, M. Jean de Kervasdoué il, il a posé une question un, un, un petit peu pernicieuse, très habile euh, à Jean-Claude Maillet en lui disant Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire Maintenant, vous vous occupez que des retraités. Euh, bah, la vérité, au lieu de vous occuper des actifs bah, Pas du tout. En vérité, d'ailleurs, Jean-Claude Maillet a très bien répondu comme il pouvait. Hein, mais la vérité, c'est que non, les, les partenaires sociaux, enfin les syndicats, ils sont surtout obsédés par la défense des actifs qui, pour beaucoup d'entre eux, n'ont aucune envie. Euh, de D'augmenter le temps de travail parce que personne n'a spontanément envie dans une société qui, il faut bien le dire, depuis 40 ans, entend toute la journée le travail c'est mal, le travail c'est moche, euh, le travail c'est une pour, pénalité. Etc. Bon, nous avons donc, il ne faut pas s'y tromper, au-delà de, de, de l'allongement de la retraite pour sauver le système et permettre qu'on préserve cette répartition qui est tellement euh, consubstantielle à l'histoire de France, mais c'est aussi. Un nouveau rapport au travail qui doit se mettre en place. On Et va. moi, je pense que le seul débat qu'on doit avoir sur l'allongement de la retraite, c'est -ce, l'employabilité de ce qu'on appelle pour aller vite les seniors. Ça, c'est le vrai sujet. On va rentrer dans le Or, détail. Il y a oui. des solutions. Il y a des solutions. Il faut arrêter de dire comme au-delà de 60 ans, on n'est plus employable. On réforme rien. Oh, ouais. Ça, c'est en réalité un argument d'autorité qui n'est pas recevable quand on voit que tous les autres pays d'Europe sont entre 64, 65, ouais. 66, 67 ans ouais, des alors, père, de plus cher. Monsieur Mailly, sur un point précis, mmh. l'argumentation syndicale consiste à dire aujourd'hui il y a de l'argent pour les retraites, c'est pas sûr qu'il n'y en aura pas. Vous contestez les prévisions du Conseil d'orientation des retraites pour la décennie 2023-2032 où vous considérez que euh, on sera déficitaire. Non, non, je ne conteste pas les travaux du corps, quels qu'ils soient d'ailleurs. Enfin, Donc même si... les prévisions mais oui, mais pessimistes. Attendez, mais comment, comment fonctionne le corps Pour les, les cinq années à venir, il prend comme base les prévisions du gouvernement. Voilà. Donc, et les prévisions du gouvernement, c'est quoi aujourd'hui C'est 5% de chômage. Après, il consulte un panel d'économistes, hein, une quinzaine, <laughs> pour les, les, les évolutions futures. Et les quinzaine d'économistes considèrent qu'on sera à un taux de chômage de 7%. Donc, il faut faire le, la jonction entre 5 et 7, ce qui s'est traduit mécaniquement par un déficit budgétaire. Alors, mais le, le corps fait son travail très correctement. Moi, je ne conteste pas euh, qu'il y a des difficultés financières, etc., y compris ce domaine de la retraite. Et euh, vous savez, si vous demandez à la population qui est pour un, un recul de l'âge de la retraite, les premiers qui sont pour, c'est les retraités, puisqu'ils sont en retraite. Donc, eux, ils n'ont pas de problème pour reculer l'âge de la retraite. Non, je ne conteste pas. Ce que je dis, enfin, moi je fais souvent référence à Keynes là-dessus, seule chose dont on est sûr à moyen et long terme, c'est qu'on sera tous morts. Les prévisions à 10, 15 ans, attention, il voilà, faut, faut, faut être relatif, on est à, à l'abri d'aucune. Mais je ne conteste pas qu'il y ait un problème de financement, euh, y compris d'ailleurs pour les retraités, parce que si on ne fait rien... Le taux de remplacement, il est passé déjà de 80 à 67, et demain il sera à 50. Donc c'est un ensemble. Il faut réfléchir. Et là où je suis d'accord avec Jean-François Copé, que le premier problème à discuter, je n'en ai pas six mois près. Hein, le premier problème à discuter, c'est la perception et l'évolution du travail. C'est vrai pour l'emploi des seniors. Mais c'est vrai que, y compris avec une accélération avec la crise sanitaire, la perception du travail aujourd'hui, de l'organisation du travail, etc., est en train de changer fondamentalement. Donc, faut prendre ça en considération, y compris pour discuter d'un dossier comme là. Juste un truc. Excusez-moi, mais on est à six mois près. Oui, enfin, pourquoi on est à six mois près Parce qu'en réalité, c'est un deuxième quinquennat et c'est un compte à rebours. Plus le mais... temps va passer moins M. Macron n'aura d'autorité pour faire bah, les en choses. – J'en déjà perdu. Euh, – Exactement. Donc plus vite oui, mais... ce sera décidé, mieux ce sera. – Jean-François, ouais, juste, juste, juste un, mot, vite fait. un mot, Tout à l'heure, moi, je ne... Enfin, les, les candidats à la présidentielle font leurs programmes, etc. Mais croire un seul instant que les gens apprennent les programmes par cœur des uns et des bah, autres... – Celui-là, je crois que tout le monde l'a retenu. Hein. C'était ouais, la bon, hein, Il en avait euh, pas, euh, fait pas, euh, il pas fait pas beaucoup. Il de projets. – projet, euh, donc Michel il y a une autre manière de voir le même sujet, qui est de se dire quelles sont les alternatives Face à mes 14 points de PIB et au déséquilibre mmh. macroéconomique, qu'on sait euh, se situer dans les 10-15 prochaines années avec ce petit rebond de deux ans, qui est une poire pour la soif, mais une petite poire pour une grande soif. les des déficits antérieurs. Et des déficits antérieurs. Mmh. Première variante vous augmentez les cotisations mmh. des salariés ou des fonctionnaires, donc des actifs. Euh, et ou des employeurs. Bon, euh, enthousiasme Donc, général non. des deux côtés. Non. Voilà, effet macroéconomique, etc. Mais c'est une variante. 50% de prélèvement obligatoire sur PIP. je propose qu'on évacue ce débat tout de suite. Non, non mais je dis pas que je suis pour, j'essaie je, je je de voir. La... Deuxièmement, vous reniez les avantages des retraités actuels, ça passe par des revalorisations. La réforme Balladur de 93, qui a été la plus productive financièrement de toutes les réformes des retraites, euh, avait fait passer euh, d'un indice qui étaient, euh, les salaires à un autre indice qui était les prix, la revalorisation des pensions. Mm. Et pour des effets mécaniques que je n'ai pas le temps de décrire, il y a un double effet qui se coule dans le système de retraite qui fait que là, vous avez vraiment une chute des dépenses, une économie très forte. Veut-on s'en prendre, si je puis dire, aux retraités Et troisième possibilité, euh, vous... On ne peut pas vous, toucher vous faites, la première, pas la seconde. Vous, faites, vous prenez des mesures d'âge quelle qu'elle soit, parce qu'il y a l'âge légal, il y a l'allongement de la durée d'assurance, de cotisation, etc. Et là, vous touchez toujours aux assurés, mais aux assurés qui sont par définition les plus proches de la retraite. Donc à mon sens, le débat, je ne sais pas s'il est politique, philosophique ou tout ça à la fois, il doit être là-dessus. Il n'est pas sûr, a-t-on besoin de ressources nouvelles pour le système, parce qu'il m'étonnerait qu'on se mette tous d'accord pour baisser de 14 à 10 points de PIB la dépense de retraite. C'est euh, par quel canal il est raisonnable. De rééquilibrer le système pour que euh, nos enfants aient encore euh, un peu de croyance dans sa pérennité. Parce que moi, un des trucs qui me soucie, je ne sais pas si vous avez eu ces études qui sont récurrentes, c'est que les jeunes de moins de 30 ans, disons, quel que soit leur milieu social professionnel, ne croient pas un seul instant qu'ils toucheront un euro de la retraite publique, enfin du système de répartition, lorsqu'ils arriveront à l'âge de liquider leur pension. Ce qui est à mon avis un peu préoccupant. Oui. Alors, je vais vous laisser après. Et donc, vous êtes pour le. Le recul de l'âge légal ah bah Moi, personnellement, j'ai. Mais dans un cadre pas, plus vous général. Vous avez voilà. cadré le débat merveilleusement. Il ne reste ah. plus que ça. Ah, ah, je on pense. Est bien d'accord. Alors, écoutez, on va rentrer dans le détail. Et je, vous, je vous demanderai de, vous, de nous dire qu'est-ce qu qu'on peut faire. Mais il y a un élément que je voudrais éclaircir avec Jean de Kervas-Doué. Parce que Jean, vous occupez à la fois des questions de santé et des questions d'économie. Si on prend l'argument syndical, et notamment celui de la CFDT, mais aussi DEFO, la CGT. Ils font un procès au gouvernement de vouloir affecter d'éventuelles recettes provenant du compte retraite sur les comptes sociaux. Vous voyez que Jean-Claude Mailly est en train d'opiner et de transférer ses, ses ressources sur la santé ou l'éducation. La première question que je vous pose, c'est finalement pourquoi ce ne serait pas fondé et pourquoi ce serait illogique de le faire. Au regard du poids des retraites sur les comptes sociaux de la nation, puisque les retraites c'est quand même le premier poste de dépense de la protection sociale. Alors quel est cet argument syndical, vous voyez, qui consiste à dire euh, euh, finalement c'est pas la réforme des retraites qu'ils veulent faire, mais sous trouver des rustines pour mettre de l'argent sur la santé et l'éducation. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors je pense que, Jean-Claude Maillet l'a dit tout à l'heure, ça, ça a à voir avec l'histoire du paritarisme, c'est-à-dire le, le seul domaine où il reste un semblant de paritarisme, ce sont les retraites. Néanmoins, euh, je redis avec force ce que j'ai déjà dit, nous sommes dans une situation démographique très particulière qui ne va pas s'arranger. Euh, parce que le troisième âge, qui est l'âge de la dépendance, nous ne sommes pas du tout prêts à faire face à la dépendance de la génération du baby boom. Donc quand vous voyez un PLFSS à plus de 2% sur les dépenses de santé, alors que l'inflation normale sans vieillissement, c'est plutôt 4,5%, euh, on va voir que ça va avoir énormément de conséquences. Donc il est d'autant plus urgent de régler ce problème de retraite que les autres dépenses sociales vont continuer. Vous continuez de croire, et moi je suis très très inquiet euh, de notre impréparation euh, à la dépendance. Je vous rappelle que pour former un médecin, il faut 10 ans. Donc euh, c'est pas avec euh, les médecins ou en lâchant le numérus clausus qu'on va régler les problèmes de la prise en charge de, de, des personnes âgées. Alors je signalerai par ailleurs euh, quelque chose qu'on n'a pas évoqué. C'est en fait une turpitude que j'ignorais. C'est une de mes amies qui m'a attiré mon attention. C'est qu'en en fait. Euh, les régimes de retraite sont financés en partie de manière cachée. Alors, dans le privé, elles sont financées par des cotisations à carco, 28%. Simplement, la CNRACL, c'est 48%. Euh, 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 Comment tu dis 35. 35, oui, bon. Non, mais c'est beaucoup. Euh, hein. Oui, <laughs> d'accord. Euh, attends, les, les retraites des fonctionnaires, c'est 85%. Et les militaires, c'est 140. Donc, tu as une surcotisation. C'est-à-dire que l'État surfinance le système de retraite par un système fiscal dont personne ne débat. Oui, mais autrement ça fait dire... partie d'une compensation sociale. Oui, non, mais autrement dit, si tu avais un débat, euh, c'est 28 pour tout le monde, euh, il manque 45 milliards. <laughs> Donc... Oui, sur ce point-là, sur ce point-là, Jean-François Copé. Comme ça, je suis enfin, c'est quelque chose d'assez connu quand on plonge un peu euh, dans l'univers euh, très complexe du financement des retraites, et c'est inévitable. Mais, mais bah, c'est ça, fait partie de à partir Soir. du moment où vous multipliez <laughs> les régimes spéciaux où vous faites en plus du les régime chiou, de base okay. des <laughs> régimes complémentaires dont vous confiez pour certains d'entre eux la gestion à des organismes tiers, vous êtes donc, dont des organismes publics aussi imminents que la caisse, vous êtes assuré d'avoir effectivement dans tous les sens des mécanismes fiscaux de redistribution pour tenir comme on peut. C'est pour ça que moi, lorsque j'étais plus jeune, pour tout vous confier, j'étais très allant sur le thème faisons. Tout d'un coup, c'est-à-dire on simplifie, on fait un seul régime, euh, on met tout le monde d'équerre, euh, liberté, égalité, fraternité, un peu modèle euh, Mélenchon, mais le bon côté du mélenchonisme et pas le mauvais. Y en a euh, finalement, <laughs> en faisant un effort, je viens d'en trouver un depuis deux jours. Euh, mais ça n'ira pas au-delà, je vous rassure tout de suite. Mais la réalité, c'est que je, je, on n'y arrivera pas parce que ça c'est trop et je pense que on ne peut pas ouvrir tous les fronts d'un coup. Donc je reste à cette idée que la seule mesure possible c'est la mesure d'âge. Je voudrais d'ailleurs compléter on va, mon propos. Je, je vais vous dire, on je, va arriver à oui, cette chose-là. Juste une phrase. Édouard euh, Philippe a échoué, euh, enfin le gouvernement de M. Macron c'est pas lui bien sûr tout seul, parce qu'il y avait encore trop de choses. Et parmi ces choses-là, il y avait la retraite à point. Avait... Tout le monde était en panique. Je pense encore une fois qu'il faut une décision simple qui va permettre au moins de s'inscrire dans la durée. Alors, on en vient justement à la question du programme et de ce qu'on peut faire. Les évolutions sont imprévisibles, notamment avec la transition énergétique, la transition numérique, mais le vieillissement est là. Et concernant les retraites, si vous avez à imaginer, tous les quatre d'ailleurs, qu'est-ce pourrait être. Une situation durable et non démagogique, comment vous mélangez tous les ingrédients, à savoir les cotisations, euh, l'âge de départ, euh, les seniors qui ont un problème au moment de partir les compensations pour les femmes, etc. C'est quoi votre modèle, Jean-Claude Mailly Imaginons que vous êtes là, vous agitez des algorithmes et vous faites votre retraite. C'est quoi on n'a pas beaucoup de temps, rassurez-vous. Je suis d'accord, mais je, je ne dis voilà. pas que le régime actuel est parfait. Moi, je ne. Je vous bougez pas, quoi non, Je et vous ne bougez quoi pas à l'État. Voilà, je conserverai une souplesse, pas simplement le paritarisme syndicat patronat, mais aussi les professions libérales gèrent aussi correctement, pour la plupart d'entre elles, leur le régime de retraite. Et ça fait une souplesse, quoi. Bon, on a bien vu qu'avec le régime par points, tout mettre, ça ne marchait pas, quoi. C'est un, un beau truc sur le papier, complètement irréaliste sur le plan pragmatique. Moi, je vais peut-être vous surprendre. Mais moi je pense aussi qu'on... Alors sur l'âge, moi je dis attends, arrêtons de faire des faux débats. On est déjà dans les faits pour la génération 73 à 64 ans. Dans les faits, ce sera le cas. Euh, la génération née en 73, je le rappelle, qui aurait commencé à cotiser à 21 ans, ce qui ne sera pas le cas de tout le monde, 43 ans de cotisation, vous faites le total, bon, on pourrait très bien imaginer, certains le pensent, des formules de la règle des 105 par exemple aujourd'hui. Ça veut dire aujourd'hui, vous avez 43 ans de cotisation et un âge de 62. 62 et 43, 105. Dès que vous avez 105, vous pouvez partir. Vous réglez une partie du problème des carrières longues, par exemple. Et là où je vais peut-être vous surprendre, c'est que dans le système public des fonctionnaires, il y a un système qui a été mis en place, le RAF, le Régime Additionnel de la Fonction Publique, qui est un système par capitalisation, qui est sur mmh. les primes. Mmh. Moi, je ne serais pas contre un troisième niveau obligatoire par capitalisation, mais obligatoire. Parce que vous avez beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui le pratiquent. Mais vous, avez, vous êtes dans une PME, vous ne l'avez pas. Alors, on va dire, il y a le plan d'épargne retraite, mais c'est autre chose encore. Euh, on pourrait très bien négocier par branche la mise en place de tels systèmes, etc. Ce qui existe ça, avec la JP, futures. par exemple. Comment C'est ce qui existe avec la JP, par exemple, non Oui, non, bah, notamment mais un peu ce qui existe dans la fonction publique, un régime additionnel dans le privé. Un troisième, on garde les deux niveaux. Vous avez des caisses de non-salariés qui fonctionnent. Les pharmaciens, ils ont depuis 1950 un système par capitalisation qui marche très bien. Voilà. Après, il y a les règles à mettre en place pour pas faire n'importe quoi, je, je suis d'accord. Mais voilà. Et qu qu'est-ce penser... qu que vous faites pour les seniors alors ah ben les seniors, non, attendez, on a, on a, ça s'améliore parce que quand on recule l'âge mmh, mmh. de départ, progressivement, l'emploi des seniors s'améliore. Mais on est encore beaucoup, beaucoup en retard. Alors après, il y a tous les systèmes de pré-retraite progressive, de tutorat. De, il faut... Euh, il faut, À un moment là, l'État là, doit intervenir pour mettre, euh, enfin un peu contraindre, entre guillemets, les entreprises à conserver plus les salariés dits âgés. On vous a entendu. Alors, Jean de Kervas-Doué, en dehors de l'âge... De départ à 65 ans ou pas, sur quoi vous considérez qu'il faut bouger aujourd'hui Non, je pense que 65 ans n'est pas un bon calcul, mais je pense que. Et je partage la sagesse <laughs> autour de cette table, c'est-à-dire que c'est la seule chose qu'on puisse faire et dire aujourd'hui. Ce qui compte pour moi, c'est l'espérance de vie à partir du moment où on prend sa retraite. C'est-à-dire que donc c'est la, la, la solidarité entre les actifs et les inactifs. Alors comme euh, vous le savez, nous avons le record mondial d'espérance de vie à la retraite. Bon. <laughs> Euh, donc euh, on pourrait se caler sur cette euh, bonne nouvelle <laughs> euh, qui est que l'espérance de vie a très fortement augmenté euh, pour tout le monde, même s'il y a des très fortes inégalités, euh, et euh, s'ajuster sur ce paramètre, sachant que ce paramètre changera en 2050 ou 2060 et, et qu'on aura, du fait de la disparition de la génération du baby boom, une situation démographique très différente de ce qu'elle est aujourd'hui. Ou Michel Yael, quels ingrédients vous accompagneraient d'une modification éventuelle de l'âge de, de départ à la retraite Qu'est-ce que vous verriez comme euh, assortiment qui viendrait féconder une une réforme des retraites C'est le cas de le dire. Euh, moi, si vous voulez. Euh... Si je pars du système chimiquement pur qui était au départ le projet euh, le président. présidentiel euh, négocié, discuté, construit par l'équipe de Levois, j'ai toujours pensé, et on en avait discuté à l'époque, qu'il était un peu trop ambitieux, si je puis dire, en largeur et en hauteur. Mmh. Alors je m'explique. En largeur, euh, il aurait fallu des camps de base avant de passer de 42 à 1. On pouvait peut-être travailler par famille. Et des familles, il y en a trois. Il y a l'essentiel, les salariés, avec la sécurité sociale et larco Les professions indépendantes, qui sont assez différentes les unes des autres, mais qui ont quand même beaucoup de points communs dans leur modalité de gestion. Et puis les agents publics, fonctionnaires et contractuels Militaires, des trois fonctions etc. publiques. Et si ces trois pôles-là avaient déjà, d'une certaine manière, organisé les choses en interne. Il restait, c'est un chemin compliqué, mais enfin, il restait à faire quelque chose de sur ce chemin moins escarpé qui aurait été de les rassembler in fine. En hauteur, euh, moi, ça fait longtemps qu'il qu me semble que pour l'avenir, mais l'avenir étant maintenant probablement un peu compromis, euh, ce qu'on aurait pu universaliser, ce sont déjà les régimes de base. Parce que ça, les Français l'auraient compris, même si euh, ça aurait peut-être occasionné des frottements. Et là, la difficulté, ça a été qu'on a voulu englober les régimes complémentaires. Alors le navire amiral qui est les régimes complémentaires de, de salariés, l'arcoagir que c'est pas n'importe quoi, Jean-Claude l'a rappelé. Il y en a aussi des régimes complémentaires dans le secteur public, il y en a beaucoup dans le secteur des professions indépendantes, ça faisait quand même beaucoup de trucs à, à régler d'un seul coup d'un seul, et de la même manière que devant chaque niche fiscale, il y a un chien qui aboie, devant chaque régime particulier, c'est pas un chien, mais enfin, il y a en tout cas une corporation, une profession, un sous-ensemble de la société tout à fait respectable euh, qui se manifeste. Donc, si on veut réenclencher à l'avenir, moi je ne sais pas quand, mais un jour. Non pas l'idée du régime universel, mais l'idée, disons, d'un rapprochement, d'une consolidation, d'une uniformisation des régimes de retraite, ça pourrait être une voie. Je vous rappelle que euh, euh, Pierre, Le... Pierre Larocque disait la sécurité sociale repose sur les trois U l'universalité, l'unité, l'uniformité. L'universalité, on l'a faite dans la branche famille et la branche maladie, on l'a pas faite dans la branche vieillesse. L'unité, c'est un seul régime. Je pense qu'on en est un peu, un peu loin. Et l'uniformité, on a progressé parce que les réformes des gouvernements antérieurs, quels qu'ils aient été, ont concouru quand même à ce que les règles soient moins opposées qu'elles ne l'étaient avant. Autrement dit, et j'arrête là, euh, il sera difficile d'aller dans ce chemin de, de l'unité et de l'uniformité mais euh, le chemin est moins long à faire que ce qu'il aurait été si on s'était lancé là-dedans dans les années 70-80. C'est oui, un motif oui. d'espoir. Jean-François Copé, c'est pas une question politicienne. C'est pas alternatif avec la mesure d'âge. Oui. Hein, c'est oui, oui. pas une question politicienne, mais je vais vous poser la même question. à savoir Vous avez dit que vous êtes favorable à un âge de départ à 65 ans. Mais à votre avis, si le président de la République vous consultait et vous disait euh, qu'est-ce que vous maîtriez à côté de cet âge de départ, ce serait quoi, si je puis dire, ce qui viendrait Et est-ce que vous conseilleriez, dans ce cas-là, à vos amis politiques de voter une telle réforme C'est sûr. <laughs> euh, D'abord, premier point, ce qu'ils consultent. Bien euh, sûr. C'est pas l'ambiance, M. Macron. C'est pas quelqu'un qui spontanément euh, dit. Oui, mais mais il... bord, on, non, mais peut, toujours, on peut toujours changer d'état d'esprit. Absolument, enfin jusqu'à <laughs> jusqu'à plus en informé, informés. Je peux pas vous missions, dire que ça. ce soit du genre écoute vraiment. J'aimerais vraiment avoir ton Jacques Chirac faisait ça, mais bah, bon, euh, les temps ont changé. C'était du temps où les chanteurs avaient de la voix. Euh, en réalité, pour moi, le problème, il est il est à la fois euh, simple euh, parce qu'on a tellement éprouvé la complexité des, des situations. Qu'on est arrivé à une conclusion assez simple et en même temps, elle nécessite que sur tous ces sujets, on trouve évidemment les accompagnants. Bon, les accompagnants, il ne faut pas qu'il y en ait 36, il faut qu'ils soient simples aussi. La mesure majeure, c'est le report de l'âge légal. C'est pas que je le souhaite. Ça, vous l'avez dit. Ça. Attendez, pour qu'on comprenne bien, c'est pas mon souhait, c'est pas mon choix, c'est une évidence, c'est factuel. Donc on n'a même pas à avoir une opinion, on n'a pas le choix en vérité. Et vous bon, la sortissez de ça, quoi Ça, c'est le premier point. Le deuxième point c'est qu'il faut la sortir de trois mesures qui, à mes yeux, sont absolument essentielles. La première, c'est évidemment de s'occuper des petites retraites. Et, eux, il faut les... et, et, et tous ceux qui ont des retraites en dessous d'un certain seuil, il faut impérativement les revaloriser de manière régulière, parce que là, on est sur des minimums de survie. Oui. Donc ça, c'est la première mesure d'accompagnement. La deuxième, bah oui évidemment qu'il faut assumer d'avoir un régime de capitalisation en plus dans les entreprises, dans les administrations. Que tout ça soit naturel et qu'on arrête de hurler au capitalisme et au mondialisme, c'est le bon sens. Tous les pays du monde le font et c'est une sécurité supplémentaire pour les Français. Bon, et puis. La troisième mesure, c'est que ce qui marche bien, on le laisse marcher, quoi. Les régimes des indépendants fonctionnent globalement bien. Quel est l'intérêt de les noyer dans des régimes qui ne marchent pas du tout Laissons-les tranquilles. Donc, si on fait tout ça, en fait, bah, c'est simple, c'est accessible, ça va faire grincer, mais à la fin de la journée, au moins, il y aura... Au moins ça dans le bilan politique d'Emmanuel Macron. Sinon, je suis désolé de le dire, mais il va être très pauvre le bilan politique. Et donc là où sous M. Chirac, sous M. Sarkozy et même sous M. Hollande, ce qui est quand même pas gagné au départ, ça a été, il y a eu quelque chose. Là, il n'y a rien. Donc c'est pas. Et s'il s'il y a ça, c'est votable. Et si, mais non seulement c'est votable, mais il faut même faire campagne pour. Et c'est là où, je, puisque vous me posez la question, moi ça fait des mois, alors je suis très seul, je suis un des rares à le dire avec Sarkozy, pour une fois on est d'accord sur un sujet, c'est qu'effectivement on est les deux seuls à dire, mais qu'est-ce qu'attend LR pour redevenir un parti de gouvernement qui gouverne Comment est-ce que vous voulez qu'on s'oppose, sans faire rire tous les Français, sur des sujets qu'on préconise depuis des années Donc oui, bien sûr, il faut non seulement voter si c'est ça la réforme, mais il faut soutenir, il faut faire campagne contre, et il ne faut pas craindre de s'opposer, à Mme Le Pen qui veut être présidente de la République et qui nous explique qu'il ne faut surtout pas réformer les retraites, ou à M. Mélenchon et tout l'orchestre, qui alors eux sont dans le délire intégral, en expliquant qu'il y a absolument aucun autre sujet que celui de renverser par la rue la France, ça sera tellement mieux après. Donc enfin, franchement, c'est le bon sens même de prendre ces dispositions qui nous redonneront quand même de la crédibilité vis-à-vis -vis des Français. Bon, bah écoutez, vous même ceux vous, qui sont contre. Vous avez, vous avez propos, fait vos propositions, les uns et les autres. Euh, Jean-Claude Mailly, je voudrais reprendre la question de Jean de Kervas-Doué sur les actifs et les inactifs, mais en essayant de la prolonger. Parler des retraites, c'est fatalement parler du travail, c'est-à-dire de la fin du travail, de la fin d'un cycle pour vous, comme pour moi, comme pour tous nos intervenants et tous les Français. Est-ce que vous ne pensez pas, c'est <coughs> plus de la sociologie politique euh, qu'une question, est-ce que vous ne pensez pas qu'à force de parler des retraites par anticipation, c'est la valeur-travail qui est remise en cause oui, C'est sans polémique que, que je vous pose cette question-là, parce qu'on s'est posé la même question avec la réduction du temps de travail. Oui. Et on s'est posé la question, est-ce que ça n'a pas atteint la valeur-travail donc vous – oui, je... bon, Moi, je ne suis pas pour le débat valeur-travail, euh, droit à la paresse. quoi Je veux dire, euh, droit à la paresse, euh, c'est 19e siècle, il hein. faut, faut oui, se voilà. notre contexte. Bon. Euh, non, mais par contre, il y, y a une vraie évolution aujourd'hui, et on doit travailler là-dessus. Hein, certains proposent des assises du travail, euh, et je pense que c'est une nécessité aujourd'hui. La perception même du travail, accélérée avec la crise sanitaire. Enfin, si vous… Par exemple, la crise sanitaire génère de nouvelles inégalités. On retrouve une inégalité col blanc, col bleu. Ceux qui peuvent télétravailler, ceux qui ne le peuvent pas compte tenu de leur fonction. Comment on règle ça euh, moi, Je sais que certaines entreprises arrivent à régler ça. Bon. Euh, des, des jeunes candidats ou des cadres candidats, etc. Une des premières questions qui posent aujourd'hui, c'est combien de jours de télétravail. Voilà. Donc le sens, la question du sens. Non, mais tout ça, ça joue. Il faut envisager également le travail sur une période beaucoup plus longue. C'est pas simplement une question de durée hebdomadaire. C'est aussi sur la vie. Hein, euh, donc, tout ça doit être discuté. Il y, y a vraiment euh, des évolutions à prendre en considération. Et c'est pour ça que je dis la vraie, si on avait le temps, la vraie réflexion, c'est d'abord là-dessus. Après, on discute des conséquences, y compris, y compris sur la retraite, y compris avec les faux débats qu'on peut avoir sur l'âge. La... Enfin, quand j'y fais au débat, je m'entends. Je disais dans les faits, on est déjà à 64 et euh, okay, bientôt. Donc, euh, arrêtons de, de tirer des plans sur la comète. Quoi. Bon. Dans ce cas, ça ne devrait pas poser de problème que tout le monde soit d'accord pour l'âge légal à 65 non, enfin, même Sarko, il dit 63, hein, dans le JDD, ce week-end. Oui, mais... Copé-Sarkozy... Copé-Sarkozy, c'est pas bonnet blanc, blanc-bonnet, vous savez bien. Non, bon. mais, Émile, Émile, oui. je, je, je Non, juste mais ce donner... que je veux dire, c'est que c'est un ensemble. On peut pas uniquement... 64, ça. Oui, on, on peut Émile. pas uniquement raisonner âge, machin, c'est un ensemble. On vous a... Le travail est perçu différemment. Hein, euh... Mais vous, vous, vous sentez qu'il y a un risque de... D'hypothéquer le sens du travail. Ah oui, surtout que, que ça, évolue beaucoup. ça évolue énormément si veux, beaucoup. Il y, y a quelque chose qui, moi, me soucie beaucoup, c'est l'abandon des métiers du soin. C'est-à-dire que aujourd'hui, dans les hôpitaux euh, de Paris, et pas seulement l'assistance publique, on règle euh, les programmes opératoires sur la présence d'infirmières. Donc, il y a, en gros, dans les hôpitaux de Paris, il y a une 20, peut... 20 du personnel soignant qu'on n'arrive pas à recruter. Donc, si on pose pas la question du travail, oui, du soin... Et, et de certains travaux... Tra... Enfin... Oh, certains on vous a entendu Jean là-dessus. Michel Yael, parce qu'on est vraiment pris par le temps, un ah, oui. mot là-dessus Oui, je voudrais juste euh, rappeler... Un mot un, un mot, qu'en 1995, quand il s'agissait de passer ou pas euh, par la suite aux 35 heures, on était un certain nombre, notamment avec Bernard Brune, disparu mmh. depuis, à s'être dit ça serait finalement pas mal de troquer un allongement de la durée de travail dans la carrière, l'âge légal, avec un raccourcissement de la durée hebdomadaire du travail. En somme, la réforme des retraites versus les 35 heures. Le fait d'avoir fait l'un après l'autre euh, nous a plutôt fait cumuler les ennuis. Quoi. Voilà. Merci. Écoutez, on va terminer sur une note d'humour, mais on a très peu de temps. Euh, J'aimerais avoir votre sentiment. D'après Albert Thibaudet, le retraité est comme le bouilleur de cru, un personnage éminemment français. Est-ce que vous y souscrivez, Jean-François Copé C'est que le bouilleur de cru n'existe plus, alors que le retraité, on voudrait qu'il existe longtemps, quand même. Merci. Je vous... suis d'accord avec Jean-François. Et vous, Jean Je pense à un mot de Bernard Shaw le travail et la plaie, les classes qui boivent. Voilà, Michel <laughs> Yael. Moi, a... Pierre Dac, je suis fasciné par le travail, je peux rester devant lui pendant des heures. Merci. Bien, vous voyez que ça nous amène le travail, la retraite nous amène à avoir un peu d'humour. Une bibliographie rapide de Pierre-Édouard Ducré, Retraite, l'impossible réforme. C'est une, une analyse de, de la réforme des retraites. Jean de Kervas-Doué, alors. Je signale un dernier livre, mais qui n'a pas à voir, encore que les écolos nous mentent. Vous restez là-dessus, c'est pas trop impératif. c'est très sous-estimé. Hein. C'est très sous-estimé. Bon, Jean-Claude donc... Jean Mailly, Jean Mailly, Manif et Chuchotement. Vous continuez à chuchoter euh, dans, dans votre les syndicat les non, non, un petit peu. Un Petit peu, <laughs> non, et je voudrais rappeler que le dernier un ouvrage, je sais pas si c'est le dernier de Jean-François Copé, Le sursaut français. Vous pensez que c'est toujours d'actualité, Jean-François Je le crains, ouais. crains. d'ailleurs, à cette occasion, j'avais théorisé sur le sujet du bouc émissaire qui était euh, un des, des grands problèmes de notre pays. On avait toujours des bonnes ouais. raisons de dire que c'était la faute de quelqu'un d'autre. Voilà, ben, écoutez, on va rester là. Je vous remercie, merci messieurs d'avoir participé à cette émission. Merci à l'équipe. LCP, avant de nous quitter, je vous soumets cette citation de Philippe Gueuluc. Si Dieu était tenu de prendre sa retraite à 65 ans, je deviendrais peut-être croyant.